Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Depuis 2014, nous accompagnons chez Ticket for Change des innovateurs un peu fous. Les 80 000 heures qu'ils passeront au travail, ils ont décidé de les dédier à la résolution d'un problème urgent et important de société. Ils préfèrent créer des ceintures à base de pneus de vélo recyclés plutôt qu'à base de peaux de crocodile d'Indonésie importées. Ils préfèrent embaucher des personnes éloignées de l'emploi plutôt que de la main-d'œuvre pas chère à des milliers de kilomètres de là. Ils inventent dans leurs entreprises de nouvelles gammes de produits pour les rendre plus abordables aux plus démunis. Ils préfèrent réinventer le travail engagé ou créer des apps pour améliorer notre santé plutôt que d'optimiser, faire des levées pour des besoins jamais exprimés. Ils ne choisissent pas l'option de la facilité, mais celle de la fierté, d'avoir pu faire leur part pour construire un monde un peu moins déséquilibré. Une belle bande d'utopistes, penseront certains. D'utopistes pragmatiques et persévérants, rajouterons-nous enfin. Pas à pas, ils se débrouillent pour dépasser toutes leurs galères, pour titiller leur direction au péril de leur carrière, pour trouver une équipe, des partenaires, pour se payer certains mois et d'autres guerres, pour expliquer à leurs proches ce qu'ils font et fuir leurs hésitations. Gagner en confiance, se planter, faire des erreurs, se relever, bref, apprendre. Avec la satisfaction de se lever le matin en ayant l'impression d'être utile à quelque chose pour demain. Ces filles et ces gars-là ont toute notre admiration. C'est ce qui nous donne envie de les aider avec passion. Et pas uniquement en leur disant qu'ils sont géniaux ou que de notre société ils sont les nouveaux héros, mais en leur disant que ce qu'ils font est dur et qu'heureusement ils ne sont pas tout seuls à galérer en zone obscure. D'autres ont vécu les mêmes étapes qu'eux avant. Parfois ils ont réussi, parfois ils se sont plantés, toujours avec talent. Dans tous les cas, ils ont des apprentissages à leur transmettre, pour qu'eux à leur tour réussissent en maître. Et fini les « tu devrais faire ci ou ça ». Place au « voilà ce que j'ai fait moi quand j'ai vécu le même embarras ». Chaque innovateur a la liberté de prendre ses propres décisions, en profitant du vécu des autres pour nourrir sa propre intuition. Enfin, nous allons plus loin d'un petit cran. Nous leur proposons d'apprendre des autres, non seulement, mais aussi d'eux-mêmes, tout simplement. Parce que prendre du recul sur ses expériences actuelles, échecs ou succès, est indispensable pour avoir l'énergie de continuer. Recharger ses batteries, observer tout ce qu'on a appris, voilà une belle façon de progresser, de s'améliorer, puis de faire progresser les autres avec amour, en transmettant ses apprentissages à son tour. La boucle est ainsi bouclée. Vous nous suivez ? Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.